Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Attention, ce stream n'est pas un stream sur le Cyclims. C'est un stream fait par les professionnels entraînés qui savent naviguer et se faufiler entre les boulettes. Et aujourd'hui, ce stream va contenir également du fanservims. Et oui, je dis du fanservims, car regardez-moi ce cover. Je me demande si on va avoir effectivement à faire un shmup dans des conditions pareilles. Parce que je vois de tout, sauf des vaisseaux. Or, il se trouve que dans des conditions de shmup, il me semble quand même recommandé d'avoir un équipement minimal mécanique, même si nous avons pu nous battre, comme dans quelques streams précédents, avec une tomate, comme quoi tout arrive. Enfin bon, aujourd'hui on va se tester Silver Millennium, ce shoot dont j'ignore absolument tout. Il me semble qu'il date de autour des années 1995. Et c'est ce qu'on va vérifier pas plus tard que maintenant. Le temps de procéder à un petit rangement qu'il se doit et de faire le setup du jeu qui ne marchera pas, puisque de toute manière, vous le savez très bien, en début de stream, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en début de stream? Attention, je compte 3, 2, 1, 0. Vous avez le fail de l'affichage, et oui. Et donc, il est normal que vous n'ayez toujours rien sur l'écran, même si moi, je vais avoir une image qui s'affiche. Regardez, enfin non, regardez pas. Oh, comment je vous ai eu? Alors, Silver Millennium, qu'est-ce que c'est donc? Moi, je suis très très curieux. Regardez-moi ce scénario. Alors, faut lire vite, hein, je vous le dis tout de suite. Mais que s'est-il passé en 2080X? QA? Non! Mais alors, que faire? Ah, la fille de Gaïa. Toujours là pour les trucs sympas. Silver Millennium, en rouge, pour que ça fasse plus argent. Je vous avais prévenu, hein, fan service à fond les biélons. Fais-nous voir ton gameplay, Silver Millennium, s'il te plaît, pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Para, je ne connais pas du tout cette boîte. Alors oui, c'est du shoot de chez Shoot, de base. J'ai une jauge power, j'ai une jauge option, nous ne sommes pas dit bon, chef n'est donc pas de la jungle, vous regarderez les vieux streams pour savoir pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Observer des bonus à la con à ramasser, je nous sens parti pour quelque chose de très bateau, et en plus il y a des ralentissements alors que on est en 95. Comment dire? Il n'y a aucune raison d'avoir des ralentissements avec aussi peu de présence sur un écran, quoi. Alors, mettons des pièces, on verra bien. Alors, j'ai le choix entre 6 différentes petites princesses. Et je vais prendre elle parce qu'elle est plus petite. Tiens. Je cherchais un argument complètement con. Je sens que je vais m'éclater. Alors, il y a bien entendu. Oh la vitesse de tir, et les gars. Ah oui, mais j'explose pas en plus quand je prends une boulette dans le bout du fait, c'est juste mon énergie qui baisse. Il faut tout le temps avoir un œil sur cette jauge microscopique en haut. Imaginez qu'un jour je vais peut-être récupérer un power-up, mais ça, je crois que je peux le jouer. Hein? Avec une vitesse de déplacement qui est juste purement indécente. Et des illusions, car dans ma tête en fait, j'ai le secret de dormir avec des créatures du même sexe que moi. Je sais pas, c'est une fille, donc forcément, mais des trucs m'emballent. Comment ça, c'est pas le thème. Oui, alors, moi on me dit fin de service, hein, donc j'y vais, j'en profite à mort. Du coup, je continue là où je suis mort. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que le niveau de technologie du jeu, on va dire, je m'attendais à ce qu'il me fasse redémarrer au début du niveau. Et alors, des jetés de bonus comme ça, genre, tiens, pour le naze recherché, c'est vulgaire, c'est bon. Tout le monde est mort, c'est bon, ça va être cool. Oh,
l'impression d'être beaucoup trop vite, donc ça serait bien. Alors, j'ai rempli mon option, mais... Ah, je repense à cette fille avec qui je pourrais... Ah, femme shopping, bah, mon téléphone, le bill, plein de choses, quoi. Mais la nuit, dans un lit, allongé. Avec les qui attendaient. Bon, je pars, mais pour l'instant, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent, les gens. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord. Moi, je trouve ça trint, monotone, et. Alors, j'ai un tir secondaire, faudrait peut-être que je m'en sers. Histoire d'amoindrir la difficulté qui commence à point là. À point nommé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est moi, là, c'est des hobbies. Parce que, elle était en tailleur tout à l'heure. Oui. Là, je suis mort. Et je continue. Le son? Non, je remonte le son là. J'adore que je me laisse passer entre les tirs. Alors, je crois que je vais vous faire tout le répertoire de Philippe Catherine pour accompagner ce jeu qui est une musique parfaitement déclarée. Non, mais je ne vais pas être gentil avec une musique ce soir. C'est pas le seul stream qui s'en prend plein de la ce niveau-là. Il va vous falloir faire la collection, c'est assez malheureux. Et je suis pas persuadé que la musique type boîte à musique soit la plus adaptée pour un shooter. Peut-être qu'il y a des propriétés vraiment compenser le stress des tirs, mais c'est la guerre, les amis. Vous imaginez les soldats sur le front avec ça comme musique? Oui, non, mais les gars qui se font. Comment on a perdu tous les soldats? Bah, comment ça se fait? J'ai tiré dessus. Donc pourquoi? C'est la musique que vous passiez. Alors j'ai pas de méga bombe, c'est ça qui me compte rien un petit peu. Ça. Et les gars, quoi. Ok. Allez, c'est la bonne. Danse, cowboy, danse! Danse, cowboy, danse! Il va danser longtemps que il y a ma stoppie. Donc, ce jeu n'est certainement pas dans le top sélection que nous avons chez Zabitomoski. Voilà, à savoir s'il sera au moins dans les sélections avant de partir dans le grenier. Il nous faudra un bout de bouble. Hein. Je vois aucune autre solution pour sauver ce jeu. Et ça m'a l'air assez mal barré pour le bout de bouble. Puisque... C'est choupi. On est choupi. Mais j'ai plus... Quand on arrive dans le nouveau niveau, on perd ses armes. Alors, rien que pour ça, c'est bon. Je viens de dégrader de la deuxième place qui était... quand même parmi les titres honorables, c'est-à-dire la sélection de compte, à celle qui va faire que tu vas vite aller prendre l'humidité au grenier avec tes collègues qu'on ne veut plus retoucher tant ils nous ont gonflé. J'ai changé de vaisseau, là c'était la photo vaisseau. Parce que là c'est. Oh non, c'est dramatique ça. On partira à poil, même si tu t'es embêté à accumuler plein de bonus à la sueur de ton cockpit. Oui, car c'est le cockpit qui suit dans les avions pour le pilote. Alors, ma vitesse, je pense que c'est les mines. La vitesse est juste pas très très potable. On va même pas du tout. Aïe, oula. On va voir jusqu'au boss des fois qu'il se passe quelque chose de révolutionnaire. Qui valait la peine. Je vais garder la tienne. Je me comprends. Elle était gérable. C'est là, oui, le ratio de vitesse, je voulais que c'est pas trop à jouer, quoi, j'ai l'impression. Alors, on m'a pas donné l'info. Ou on me l'a très très mal donné, si c'est possible. Voilà. Quand t'as décidé d'être le pénible de service, ok. Reste au milieu, apparemment, le milieu, c'est mon politique. Attention, mes rêves érotiques reviennent. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Ah, je vois. Une blessure au genou. Attends, je vais moindre ton genou de Merchurov Chrome.
Comment les CH meurent de reprendre. Ah merde. J'aurais pu être crédible. Can't use. Ok, option, en fait, c'est petite secondaire qui se recharge. Donc il faut attendre qu'il soit rechargé pour pouvoir s'en resservir. Alors l'idée, il ne sera plus plein au niveau. Donc il faudra éventuellement attendre pour recharger. Et les vider. Ouais, donc il m'a vidé un truc sur la plante, c'était juste le tiens le temps. Est-ce qu'on ne sait pas ça? Ah, rentrer le niveau. Ah, j'ai plus de jeu pour. Non, allez, au grenier. On va pas aller plus loin. Alors, il y avait un bel artwork, le machin et tout, c'était juste pour enrober. Souvent, les gens précautionneux s'imaginent qu'en mettant du paquet de cadeaux autour d'un caca, les gens ne se douteront pas que c'est un caca. Science, technologie et nombreuses expériences ont prouvé que non. Un paquet de cadeaux autour d'un caca ne fait pas que ce n'est plus un caca. Et c'est exactement ce qu'on a avec ce show. C'est dommage. Tant pis pour toi, allez, tue-moi que je puisse sortir, j'en ai marre. J'en ai sérieusement marre. Ah, j'ai encore une vision de ce décolleté avec ce visage en forme de pantoufle. Si expressif. Oui, parce que les pantoufles, bah, les charentaises surtout, sont expressifs. Expressives, pardon. Je remplis ce stream, je ne veux pas mourir. Pour l'instant, j'ai encore une vision, là, c'est chaud. Oh, je crois qu'on va faire la position du canard qui pète. Ce jeu est en full mode canne à sucre, ça sent bien. Il y a que ça à faire autour. Non. Après une longue hésitation, je me suis dit. Oui, bah non. Non. Tu es un bien mauvais jeu. Mon pauvre Silver Millennium. Et tu aurais dû rester dans ton pays d'origine, j'imagine, parce que tu n'as répondu que tristesse, malheur et déception. Wally Walou pour ce stream de jour, pour ma part. Yes, j'ai recasé mon pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour la quotidienne de The Big Gamowski. Peut-être une nouveauté, mais sûrement un shmup. Si vous ne savez pas à quoi regarder, ben, regarde-moi ça. Tu as une liste ici, et tu en as une autre là. C'est pas beau. Fais ton choix, mon ami. Sinon, à demain.